Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Annales d'Opale. Ici Ethno et aujourd'hui je suis rejoint par deux comparses, donc Cook pour commencer. Bonjour à tous et à toutes. Et Ségolène. Hello, bonjour à tous. Bon bah première émission Ségo avec nous deux, hein. On en avait déjà fait deux sur Shakespeare. Oui. Et puis on s'attaque à un autre gros morceau, hein. Peut-être un peu plus méconnu que Shakespeare quand même. Ouais, malheureusement. Avant que tu fasses la proposition, ouais, exactement. Ouais. Avant que tu fasses la proposition d'un autre bouquin de cet auteur, je connaissais absolument pas, j'avoue. Ah. Et du coup, en cherchant le bouquin que t'avais recommandé pour la chronique, j'étais tombé sur celui-ci, moi perso, et je l'avais embarqué plutôt que l'autre. Et, oui, je m'en souviens. Non, c'était bien. C'était une super découverte, ouais. Mm-mm. C'est marrant que t'aies pas entendu parler de Dino Buzzati avant. Parce que bah, c'est pas Shakespeare en termes de notoriété, mais c'est quand même assez, assez connu, notamment en France d'ailleurs. Mm-hmm. Bah pour en auteur international, c'est vrai que il est connu. Bah, je connaissais son roman, donc le cas, enfin ses nouvelles quoi, mais je savais absolument pas que c'était de lui ou quoi que ce soit. Ouais. D'accord, ok. Bon bah du coup on va rentrer dans le truc directement. Hein. Ségo, tu vas attaquer avec un petit résumé du bouquin, c'est ça? On fait d'abord le résumé et après on parle de l'auteur, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. C'est des mecs dans un désert. Et encore qui sont devant un désert et qui attendent. Déjà, il faut dire le titre quand même parce qu'on l'a toujours pas dit depuis le début de l'épisode. Donc nous allons vous parler du désert des Tartares qui a été écrit donc par Dino Buzzati et c'est Cook qui vous expliquera un peu plus sur sa vie plus tard. Et donc le désert des Tartares, de quoi est-ce que ça parle? C'est l'histoire de Giovanni Drogo, donc c'est un lieutenant de l'armée qui est nommé dans un fort qui s'appelle le fort Bastiani. Et ce fort Bastiani, il est à la frontière avec un désert qui s'appelle donc le désert des Tartares. Et depuis l'époque où ce fort a été créé, ils attendent une menace d'ennemis imaginaires, donc les Tartares, qui n'arrivent jamais. Et donc ça va être l'histoire de Drogo qui va arriver dans ce fort. C'est une histoire qui va beaucoup traiter de l'ennui et du temps qui passe. Donc c'est vraiment le thème majeur de ce livre, qui est très bien traité, et on reviendra sûrement dessus plus tard. Et c'est donc l'histoire de Drogo qui d'abord va arriver dans ce fort en se disant « Dans 4 mois, je me casse d'ici parce que c'est vraiment trop horrible et je m'ennuie beaucoup trop. » Et finalement, on va se rendre compte que malgré l'ennui, malgré le fait qu'il se passe pas grand-chose, et ben, il a pas très envie de partir du fort. Et que malgré des allers-retours dans la ville, il revient toujours plus tôt que prévu, et donc ça va être l'histoire de ce personnage autour de ce fort et de ces fameux Tartares dont on ne sait jamais s'ils vont vraiment arriver ou pas. En gros. Voilà. Bah, je crois qu'on n'aurait pas pu dire mieux, hein, de toute façon. Je sais pas si vous voulez rajouter autre chose. Non, mais quand j'ai pitché le truc à un pote, il y a pas longtemps, peu de temps après l'avoir lu, il m'a dit « Mais c'est chiant ton truc, en fait. » Non mais c'est vrai que dit comme ça, ça a l'air c'est chiant. C'est vrai que vendu comme ça, ça peut être... Il se passe rien. Enfin, concrètement, c'est un peu ça. Il se passe pas grand chose dans le livre. Mais et pourtant... C'est... Ouais, voilà, c'est ça. C'est là la force de cet auteur, je trouve. C'est de réussir à nous parler de l'ennui d'une manière pas trop ennuyeuse. Voilà exactement. Bah, d'ailleurs, l'auteur, on y vient. Donc, tu l'as dit, c'est Dino Buzzati Traverso. Ouais, c'est ça, Traverso. Je sais pas s'il a d'autres noms, mais en tout cas, il a ces... c'est déjà pas mal. Donc, il est journaliste, peintre et écrivain italien. Il est né donc au début du XXe siècle, en 1906. Il a fait ses études de droit à l'université de Milan en 1924. Il devient journaliste en 1928. Ok. Donc, il a déjà plusieurs expertises, du coup. De correcteur, il gravit les échelons pour devenir critique d'art. Donc ça se fait au fur et à mesure du temps, hein, c'est pas en quelques années. Hein. Mais il faut attendre 1933 pour qu'il publie son premier roman. Donc c'est pas si tard que ça, hein, dans une vie d'écrivain. Est-ce qu'on peut faire son premier roman en fait à 50, 60 ans, c'est pas un problème. Hein. Et donc il a déjà vécu pas mal de choses avant de publier, c'est ça qui est intéressant. Son activité de journaliste influe sur son écriture, ce qui tente de faire ressurgir le fantastique du quotidien, tant dans ses articles donc, que dans ses romans. Ça, je pense, on peut le voir dans pas mal de ses ouvrages, hein, on va en reparler, mais contrairement à beaucoup d'œuvres qu'on a traitées jusque-là qui traitent de l'imaginaire, enfin,
des littératures de l'imaginaire, parce qu'en fait on traite toujours d'imaginaire quand on traite de fiction. Là on peut avoir l'impression qu'on s'éloigne un petit peu de notre ligne éditoriale, mais pas tant que ça, parce qu'il y a réellement des effets fantastiques, même si on se pose pas tellement la question de savoir s'ils sont réels ou non, mais je pense qu'on reviendra dessus plus tard, donc je vais pas en dire plus. Donc durant la Seconde Guerre mondiale, il est journaliste correspondant de guerre. C'est à cette période qu'il publie son ouvrage le plus connu, donc Le désert des Tartares, c'est en 1940. Alors l'éditeur c'est Rizzoli, parce que du coup c'est la publication italienne. Et c'est en 1949 qu'il sortira en France et qu'il est traduit en France, donc chez Robert Laffont. Donc soit presque 10 ans après. Parce que je crois que l'écriture était en 39 et la publication en 40 en Italie. Ses interrogations sur le temps qui passe ou la fuite du temps est l'un de ses thèmes de prédilection. Donc on peut le voir dans une de ses œuvres posthumes qui est Le Régiment part à l'aube. Donc on est encore sur un sujet militaire. En même temps, il a été correspondant de guerre, donc on peut imaginer qu'il a acquis un certain nombre de choses par rapport à l'armée, à la guerre, etc. Et ce roman trouve un écho dans sa fin annoncée puisqu'il va mourir en 1976 d'un cancer du pancréas. Sachant que 76, c'est l'année de l'adaptation du désert des Tartares en film par Valerio Turlini, pardon, c'est un L, c'est pas un T, Turlini. Je ne connais pas le réalisateur, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non plus, ouais. Non, pas du tout. Donc, l'écriture les œuvres de Buzzati sont souvent comparées à Kafka, mais lui, il rejette plutôt cette idée. Il se rapprocherait plus des existentialistes comme Albert Camus, qui était un de ses amis. Il a d'ailleurs adapté, je crois, une de ses pièces de théâtre, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ils se connaissaient très bien. Et moi, j'ai senti un petit relent de Voyage au bout de la nuit de Céline, dans l'aspect un peu de l'absurdité du temps, de l'existence humaine en fait. Mais pareil, là, je ne peux en dire plus pour le moment. Voilà, c'était pour pas faire trop long parce que visiblement il a vécu pas mal de choses, le bonhomme. Je suis pas allé lire des biographies non plus. C'est clair. Bon, on va commencer par le début alors. Ouais, si, je peux rajouter un petit truc peut-être pour lancer la conversation parce qu'il a une de ses influences pour l'écriture du désert des Tartares du coup. Ce serait la vision de ses collègues dans son bureau, enfin là où il travaille, qui étaient bloqués dans leur routine quotidienne. Voilà, donc je pense qu'on saisit assez vite la situation. Et ça, je crois qu'ils n'ont pas voulu essayer d'accéder à quelque chose d'autre, enfin à d'autres postes, et qu'ils s'étaient cantonnés au poste de rédacteur, je crois, si je me souviens bien. Et c'est parti un petit peu d'ici, ouais. Ouais, mais c'est le confort, le piège du confort, voilà, en fait. C'est ça, exactement, ouais. Après, tout est lié. Exactement. C'est beau. Donc, pour commencer, on va faire un petit tour de table pour avoir des avis, mais je pense qu'on a tous, plus ou moins aimé. Ouais. Ah, mitigé. Ah, un avis tranché. Ouais, ouais. Alors, peut-être allez-y, puis je dirai après. Non, vas-y, c'est go, attaque. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que déjà, je trouve que l'auteur a un style qui est, bon, on le disait en off juste avant, mais la traduction est bien faite pour le coup. Et quand tu dis qu'il se compare, qu'il est comparé à Kafka, moi, je suis pas trop d'accord parce que je trouve qu'il est plus fin que Kafka dans sa manière de s'exprimer. Même si j'aime beaucoup Kafka aussi, mais je trouve que c'est plus raffiné, plus travaillé que du Kafka. Et j'ai trouvé qu'en fait, il arrive à rendre intéressant ce thème de l'ennui. Surtout, le bouquin en soi, il se passe pas grand chose dans l'histoire, il n'y a pas de rebondissement palpitant ou quoi que ce soit, mais tu le lis quand même en ayant envie de savoir ce qui va se passer, de savoir la suite et de savoir comment ça va se terminer, quoi. Donc moi j'ai bien aimé, pour moi c'est plutôt un sentiment positif à la lecture de ce livre. Pareil pour moi. Peut-être pas pour les mêmes raisons que toi. Après, je suis d'accord sur un point, c'est-à-dire que je pense que comparé à Kafka, ce qui manque, c'est peut-être le côté poétique qu'il n'y a pas dans Kafka, qui est souvent dans l'ironie et qui est souvent dans le... C'est assez abrasif comme truc. Alors que là, Buzzati, lui, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un côté très, très fin, comme tu le disais, en fait, et très poétique. Et moi, c'est ce qui m'a parlé.
Et pour ma part, alors après je suis pas bien plus vieux que vous, mais c'est-à-dire que moi je m'y suis totalement retrouvé dans ce bouquin parce que je me suis dit, en fait, t'es dedans. En fait, t'en es là, c'est-à-dire que t'es logiquement, je suis au milieu de ma vie et que et bah, tout ça, tout ce qui décrit le confort, les habitudes, et ben moi ça m'a touché dans le sens où je pense qu'on se bat tous contre ça, en fait, pour essayer de pas tomber dans une routine qui nous détruirait, entre gros guillemets, qu'on essaye tous d'avancer, de se tirer de certaines situations. Et moi c'est dans ce sens-là où ça m'a touché. Je me suis dit, putain, mais c'est vrai, en fait, on peut pas rester à vitam aeternam comme ça, à attendre qu'un truc se passe qui ferait que aujourd'hui on va pas bien, mais que demain ça ira mieux et qu'on a un combat à mener, en fait. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, on peut pas attendre ça pour vivre, en fait, vraiment. Et ce message-là, moi personnellement, en tout cas, je me le suis pris bien dans la tronche. Et c'est ce qui fait que ça m'a touché et que, ouais, sans exagérer, je pense que ça en fait une de mes lectures, enfin de mes livres de chevet maintenant, ouais, une de mes lectures préférées. Ah oui. Parce qu'il y a ce côté hors du temps qu'on peut retrouver chez le Kafka aussi, c'est ça que j'ai aimé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date, il n'y a pas de... Oui, il y a pas vraiment temporalité. De temporalité, ouais. Exactement. Et ça, c'est le genre de roman que j'adore parce que ça nous emmène dans un autre monde. Tu parlais, Cook, d'imaginaire tout à l'heure, et moi, on y est carrément parce que justement... Il faut qu'on se crée un contexte. On a le contexte de base, en fait, du personnage, de là où il évolue, mais par contre, on sait pas où il est, on sait pas quand, on sait pas tout ça. Donc moi, mon imagination, elle cavalait pour me dire, putain, mais... Enfin, qui c'est qui va les attaquer, c'est quoi? Enfin, on sait que les mecs se déplacent à cheval et tout, mais on en sait pas plus. Il y a un mystère autour de tout ça, autour de ce fort, il est vraiment isolé là-dedans. Et au final, on a vraiment que deux lieux, hein. On a ce château et la ville où il retourne de temps en temps, très brièvement d'ailleurs. Et moi, tout ça, ça m'a transporté, vraiment. Ouais, bah, je vous rejoins quand même sur pas mal de points, hein. J'ai pas détesté ma lecture. Après, ce sera clairement pas un livre de chevet, enfin, c'est un... Je suis content de l'avoir lu, tu vois, c'est des questions intéressantes, le sujet est bien traité, le texte est beau, mais il m'a pas... En fait, il n'a pas eu l'effet sur moi que j'attendais. Parce qu'il y a plein d'éléments que j'adore, moi. C'est un endroit isolé, dans le désert. Donc déjà, c'est bon, je lis le livre rien qu'avec ça, déjà. Mais parfois, ouais, le sujet est tellement bien traité que je me suis fait un peu chier, quoi. Ah ouais, ok. Non, mais après... Parce qu'il y a beaucoup de descriptions, enfin, il n'y a pas beaucoup de dialogues, ouais. C'est très... Ouais, mais même ça... Ouais. Pour moi, c'est pas un problème. Il y a des livres que j'adore, oui. Et où il y a très peu de dialogues et qui sont assez contemplatifs, mais ils m'ont fait un effet différent, on va dire. Après, enfin, moi j'ai toujours mes marottes quand je lis un bouquin et j'essaie toujours de voir la construction, pourquoi tels événements sont écrits dans tel ordre, qu'est-ce que chaque événement va dire sur le sujet principal, quel sujet secondaire il va aborder, ce genre de truc. Et j'ai trouvé ça peut-être parfois un peu mécanique, en fait. Quand j'ai compris la logique, j'étais un peu dans... Oui, donc du coup, il va un peu se passer ça. Là, j'imagine qu'il va un peu se passer ce type de scène. Là, on est plutôt dans tel état du personnage, puisque bah, dans la continuité logique. J'ai pas été surpris, en fait, par un élément, mais ce qui est complètement logique avec le sujet, en fait. Comme on est dans une routine, une continuité... c'est-à-dire que... si on se mettait à la place du personnage et qu'on devait se projeter dans les 10-20 ans qui suivent, on pourrait se projeter de la même manière que lui, enfin, les choses ne seraient pas différentes, et c'est en ça que c'est réussi, c'est que lui-même sait quelle fidélité va avoir tout ça, même s'il espère autre chose. Donc voilà, ça m'a pas transporté outre mesure, mais en même temps, le sujet fait que si y avait eu peut-être un rebondissement un peu trop présent, bon bah ça m'aurait peut-être cassé aussi le plaisir quand même que j'ai eu de le lire. Et c'est en ça aussi qu'il se rapproche un peu de Voyage au bout de la nuit, quoi. C'est qu'on sait que ça va mal finir. Et le tout, c'est de savoir comment on arrive à ce point-là, en fait. Donc voilà, c'était quand même intriguant, quoi. J'ai voulu aller jusqu'au bout, mais bon, j'ai dû me forcer sur les derniers chapitres, quand même, quoi. Mmh. Ah ouais, d'accord, ok. Mmh. Alors que je pense que les derniers chapitres, justement, c'est ceux que j'ai déroulés le plus vite. C'est les parce mieux. Que voilà, il y a quand même. On a oublié de dire, parce qu'en plus, on en parlait en off avant, qu'on va spoiler allègrement, hein, parce que le livre est pas. est pas gros, est pas épais, pardon. Et du coup, bon, bah. Voilà, si on n'aborde pas certains trucs, on va rien dire, en fait, donc voilà, autant en parler. Donc oui, moi, les derniers chapitres, je les ai déroulés justement pour savoir... C'est vrai qu'on se doute que
Bon, que ça va mal se terminer, parce que cet ennemi potentiel, on en parle tout le livre. Est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils vont pas venir? Au bout d'un moment, on se doute qu'il va y a quand même se passer quelque chose. Mais moi, ce qui m'intriguait, c'est vraiment de savoir si cette bataille allait vraiment avoir lieu. Mais j'avoue que j'ai pas vu venir cette fin-là, où il se fait évincer littéralement pour aller finir tout seul, en fait, alors que toute sa vie, il a attendu ça, quoi. Ah, pour moi c'était évident, tu vois, c'était sûr, si tu voulais faire une fin bien bien cynique, etc., tu faisais ça, quoi. Ce qui aurait été marrant, par exemple, c'est que c'est eux qui finissent par traverser le désert pour aller attaquer les autres, tu vois. Ouais. Ça aurait été rigolo, mais ça aurait pas ça aurait été pas dans la continuité du sujet, tu vois. Ça aurait pas été une bonne fin pour autant, ça aurait été juste surprenant, quoi. Mais ouais, le fait, oui, qu'il, et non, qu'il parce fasse... qu'en fait, du coup, ça aurait peut-être voulu symboliser le fait qu'il prenne enfin sa vie en main, et qu'à la fin de sa vie, justement, il décide d'agir et pas de rester passif comme il l'a fait tout au long du bouquin, pour aller chercher l'ennemi et vraiment voir s'il y avait quelque chose ou pas. Ouais, mais tu changes un peu le sous-texte dans ces, oui, cas-là. Après, ouais, oui, non, oui, je suis d'accord, mais faire, ça aurait pas été complètement. Je trouve que ça aurait pas été totalement illogique non plus. Ça aurait pu se faire, quoi. Et c'est marrant parce que du coup, moi j'ai préféré les premiers chapitres, notamment parce que t'es à la découverte du fort, tu commences à ouais, t'imprégner des lieux, ça, à essayer de comprendre un peu comment ça marche, les règles militaires, etc. Mmh. Et ça, j'ai bien aimé, mais une fois que c'est installé, bah évidemment, vu que rien n'est censé bouger, bah tu rentres aussi dans une routine de lecture, j'ai l'impression. Oui, ça c'est vrai. Ouais, mais encore mais une fois, c'est peut-être je pense que l'auteur que c'est a voulu, fait, justement, voilà. C'est ah fait, oui, ouais, c'est pour ça, c'est pour ça c'est je dis pour qu'il te est... mettre dans le truc. Ouais, il est bien non, fait, il a réussi son pari de parler de l'ennui, quoi, parce que vraiment moi aussi, hein, j'ai eu ce petit moment où tu décroches un peu à certains moments, parce que concrètement il se passe rien, quoi. Après, ce que j'aime, c'est un livre aussi avec pas mal de symbolique. Ouais. Oui. Je sais pas si vous avez le moi je me suis pris, enfin dès le début j'ai été vachement pris dedans, parce que justement il y a cet élan de la jeunesse, donc lui il part, il est tout content, il pense avoir fait un super choix de carrière. Et c'est vrai que quand il se rend compte qu'au final il va devoir rester, au début c'est 4 mois, et que ça va être l'enfer ces 4 mois, qu'il va enfin pouvoir partir, et que pendant ce laps de temps, justement, bah il y a cette routine qui va se mettre en marche, et que ce sera la, enfin c'est vraiment le début de la fin, quoi. Ces 4 mois pour moi, ça a vraiment été je me suis dit, mais en fait non, t'aurais dû partir, mec, comme tout le monde qui a lu le bouquin. Bah surtout quand il arrive, on lui propose en gros de partir pratiquement, enfin immédiatement. Ouais, tout de suite, ça, ouais. Ouais. Exactement. Et ouais, finalement, il voit un bout de désert et il commence à se dire, ah, ça peut être pas si mal. Il est intrigué, il est fasciné, un peu comme nous. Il se dit, tiens, on voit l'étendue sans fin, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et moi, c'est ça qui m'a tenu tout le long, c'est que. En fait, il se passe des trucs, il se passe même pas mal, ouais, de choses, mais c'est la manière dont, oui, c'est raconté qui les lisse un petit peu. Mais il y a toujours un moment où on se dit, ah, mais qu'est-ce qu'il y a après? Par exemple, quand ils vont dans les montagnes pour marquer la frontière, en fait, ils font la course avec les États du Nord, ce qu'ils imaginent être leurs ennemis. On se dit, est-ce qu'ils vont y arriver? Il y a aussi le moment où ils voient construire la route, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment une route? Puis quand on sait que c'est une route, on se dit, mais elle va servir à quoi? Enfin, il y a toujours quand même un truc qui te fait te dire, ah, faut que je reste pour savoir comment les choses vont évoluer, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils font ça. Donc moi je trouve qu'il y a quand même des intrigues qui font que tu t'ennuies pas, oui, vraiment, oui, mais oui, c'est vrai, non, c'est vrai. Mais c'est plus, ouais, c'est là où l'écriture de Buzzati elle est puissante, c'est que même avec ces éléments là qu'on aurait pu imaginer beaucoup plus épiques, militaires, etc., lui il donne un côté indolent, presque ouais, mélancolique, je pense que mélancolique c'est le mot, ouais, qui est pas mal, monotone, voilà. Il arrive à donner la force à son texte avec ça. Et c'est en ça que je trouve que l'écriture est assez puissante. Et vous parliez de Kafka, parce que du coup vous avez aussi fait lire du Kafka, parce que apparemment je m'ennuie pas assez dans ma vie. à la différence de Kafka, et vous l'avez tous les deux relevé, c'est que ouais, il y a aussi une poésie qui fait qu'on prend un certain plaisir à justement lire les nombreuses descriptions. Quand il décrit le désert, la nuit, etc., on est vraiment pris dans ce truc un peu féerique, un peu étrange. Ou le moment avec le cheval aussi, qui est très, très belle. Enfin, c'est un très beau moment, en fait, ouais, cette partie avec le cheval sauvage. Même si... Ouais, et puis même, il y a des moments, pardon, je trouve, où... Enfin, je sais pas si ça vous a fait ça, où tu lis et tu te dis, mais est-ce que ça se passe vraiment? Et tu sais, ouais, t'as vraiment l'incertitude de dire, mais est-ce que c'est pas le mec qui est en train d'avoir des...
je sais pas moi, des hallucinations, des visions. Qui se fait tellement chier qu'en fait, il s'invente. Mais ouais, ouais, et puis parfois, tu sais, comme je sais pas si vous vous souvenez, au tout début, je crois qu'il entend, je sais plus si c'est du vent ou de l'eau, et il a l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de chanter, et du coup, il s'insurge parce qu'il se dit, non mais attends, mes soldats, ils sont en train de chanter alors que c'est interdit, et en fait c'est un bruit lointain et qui donne l'impression que c'est quelqu'un qui parle, etc. Du coup, ça, je trouve que ça revient plusieurs fois dans le bouquin où tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment en train de se passer ou est-ce que c'est juste lui qui est, c'est dans sa tête et tu sais pas trop quoi. Ça, moi j'ai bien aimé, j'aime bien les histoires comme ça où t'es jamais trop sûr de. On a toujours cette fine ligne en fait entre le réel et on sait pas, parce que c'est arrivé à tout le monde des moments où tu t'emmerdes en fait de te créer des histoires, de te créer des trucs comme ça. Et je pense qu'il essaye de semer un peu la zizanie dans tes pensées pour que t'en arrives à te poser ces questions là. Et puis il y a un côté très onirique aussi, c'est vrai, comme tu le disais dans les descriptions. Moi j'ai toujours, enfin dans le bouquin, je les ai toujours trouvés assez pas irréel, mais c'est vrai qu'il met l'accent quand même sur des détails très je saurais pas comment dire, c'est pas irréel, mais ouais, onirique en fait. Moi c'est le terme que j'utiliserais pour pour les descriptions qu'il fait en fait, que ce soit les saisons, que ce soit les murs du fort, ou même le fort en lui-même en fait. On est limite à se demander si c'est pas un personnage en fait, ce fort. Il est ils évoluent là-dedans et tout, il crée sa vie autour de ça, et pourtant il s'y fait chier comme un rat mort, hein, ça, voilà. Mais il y a toujours cette fine ligne en fait. Même les ennemis, on n'en sait pas au final beaucoup plus. On sait, il y a toujours cette promesse là, et je pense que c'est là où Buzzati arrive à nous tenir, c'est qu'il y a toujours cette promesse d'un affrontement avec ses Tartares, avec ses ennemis du Nord, mais on sait pas si elle va arriver. Au début, on voit des mecs arriver, ils construisent une route, est-ce que c'est eux, est-ce que c'est pas eux. Après, il y a l'histoire du cheval, il y a plein de trucs à chaque fois qui remettent en cause qui remettent en cause aussi l'existence de tout ça, parce qu'on sait pas si c'est des vrais ennemis ou pas, ou si c'est des ennemis imaginaires, parce qu'on est confronté à l'absurde, et ça, on en parlait aussi tout à l'heure. Et c'est ça, on aurait été en droit de remettre tout ça en doute pour se dire, mais en fait, c'est complètement absurde, tout ça, ça veut rien dire, ils sont juste en train de garder un fort, pourquoi, on sait pas, avec des hypothétiques ennemis qui en arriveront jamais, mais par contre, ils leur font faire appliquer les règles, et tout ça, alors que ça sert à rien, en fait. Bah, y a plusieurs trucs dans ce que tu dis, en plus que j'avais écrit comme piste de lecture, donc ça tombe bien. Mais pour moi, ouais, tout ça, c'est évident que ça participe au sujet de Buzzati. Je pense que c'est pas laissé au hasard, cette idée de fort, puisqu'on est dans l'absurdité de la guerre, de la vie militaire. Donc c'est rythmé par des, donc tu l'as dit, l'absurdité des ordres, avec comme horizon quand même une mort sanglante, ouais, qui serait une sorte de libération de l'ennui. Donc c'est un peu tristoun, quoi. Si tu te dis, dans ma vie, ce que j'attends, c'est de mourir, bon, c'est un peu dommage, qu'est-ce que tu vas faire entre le début et la fin, quoi. Donc en fait, l'idée, c'est que cette mort glorieuse et sanglante, c'est une sorte de justification de sa propre vie. Donc tu n'as pas vécu, mais tu justifies ton existence par le fait que tu es mort en héros, par exemple. Hein. C'est un peu ce que rêve Drogo depuis le début. Et du coup, toutes les répétitions dont tu parles, donc ce soit les descriptions du fort Bastiani, la ronde des sentinelles, les saisons, enfin la succession des saisons surtout, tout ça, ça donne vraiment une impression de cycle sans fin, quelque chose d'immuable. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça qui donne cette impression de monotonie, de stagnation surtout. Le fait qu'en fait, même en changeant le temps, en changeant, je sais pas, les personnages qui gravitent autour de Drogo, ça arrive à plusieurs moments, puisqu'on avance, on fait des ellipses. Bah, on est toujours on stagne en fait, les choses n'ont pas bougé. Ce qui n'est pas totalement vrai, parce qu'au fur et à mesure du récit, le fort est dégarni de plus en plus de ses troupes, et à la fin, ils ne sont plus qu'une poignée avec Drogo comme chef. Donc il y a quand même une évolution, mais elle est plus dans le négatif que dans le positif finalement. C'est-à-dire qu'en étant passif, en attendant son heure de gloire, il va perdre des choses quelque part. Il a vraiment pas de chance, lui. Non. Ouais, il aurait pu se barrer. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, oui, non, oui, c'est vrai. Il est un peu maso sur les bords, quoi. Mais il y a un truc qui me fait tiquer dans ce que t'as dit, Cook. Et je pense que c'est tout à fait le propos du bouquin. Et je pense qu'on pouvait pas le résumer. Parce qu'il parle de la vie, mais il parle de la vie entre la naissance et la mort. Est-ce qu'il y a vraiment entre. Pas
du fait que la mort fasse partie de la vie ou quoi que ce soit, on parle vraiment de la vie qui est, enfin, de l'occupation, de ce qui se passe dans une vie, en fait, de son vivant. Et ben, il se passe pas grand chose. Et je pense qu'on pouvait pas résumer mieux le truc, c'est-à-dire que voilà, c'est ce qui se passe entre sa naissance et sa mort, et c'est super triste parce qu'au final, ben, il a passé son temps à attendre quelque chose qui arrive pas, quoi. Et pour en revenir aussi, je sais pas si vous avez noté ça, mais en ce qui concerne vraiment l'inaction à proprement parler, j'ai trouvé que les gros événements, alors après j'ai pas tout noté, mais même dans les événements qui étaient actifs, il y avait vraiment une forme de passivité quand même qui était assez, assez importante. C'est-à-dire qu'à un moment, il y en a un qui meurt. Alors attends, j'ai noté son... Justement, quand il s'amuse à baliser. Ouais, Augustina. Ah oui, voilà. Augustina, ouais. Oui, mais lui, il est particulier, ce personnage. Je te laisse... Ouais. Bah, il est particulier, mais sa mort, mine de rien, j'ai trouvé, parce que... Donc, il balise le truc. Après, il se cale le dos à une pierre. Les autres sont à l'abri. Ils peuvent le voir, ils peuvent lui parler. Il n'aurait que quelques mètres à faire. Et il aurait pu survivre à ça. Le problème, c'est qu'il s'est posé, il a continué à discuter avec eux, mais il est mort quand même parce qu'il a pas, il a pas pris le soin de bouger ou quoi que ce soit. Au même titre qu'à un moment, je crois que c'est à l'épisode après le cheval, justement, il y en a un qui arrive à s'échapper du fort et qui va pour revenir. Et les ordres qu'il a, c'est d'abattre la première personne qui arrive à rentrer s'il a pas le mot de passe, en fait. Voilà. Mm-hmm. Et moi, ce qui m'a choqué, donc, c'est qu'il y a un soldat qui le tient en joue prêt à l'abattre. Que derrière, il y a le supérieur qui le regarde, qui sait très bien qu'il y a juste un ordre à donner pour dire ne le tue pas, il est de chez nous parce que je le connais et tout ça, mais il fait rien. Et l'autre là-bas d'une balle dans la tête, alors que en fait quelque part il aurait pu faire quelque chose pour lui sauver la vie, en fait, alors qu'il l'a pas fait. Pour moi, il y a deux choses différentes. Augustina, ce qu'il y a de particulier déjà, c'est un personnage. Il me semble que le rêve de Drogo où il le voit mort et arrive avant sa mort. Il y avait quelque chose de prémonitoire dans mon souvenir, ou alors j'avais oublié ça. Ouais. Il y a une phrase au moins un moment où on comprend qu'il va mourir d'une manière ou d'une autre. Et lui, il est pas tout à fait dans l'inaction, Augustina. Les autres, oui. Lui, au contraire, il a quelque chose d'un peu plus, il a un peu plus d'ambition. Et il meurt pas tout à fait en se laissant mourir. Enfin, au final, c'est comme ça que ça termine. Mais en gros, il joue avec son supérieur à un jeu de cartes pour faire croire aux adversaires qu'ils partiront jamais de là où ils sont, parce qu'ils ont atteint un niveau assez élevé. Et c'est pour donner le change, en fait, pour rester digne par rapport à l'ennemi, etc. Et sauf que son supérieur finit par aller se battre avec ses hommes au sec et manger. Ouais. Et Augustina, il reste là tout en sachant que les ennemis sont partis. C'est là où on entre peut-être un peu plus dans l'inaction. C'est qu'il change pas de fusil d'épaule. Comme on parle de militaire. Oh, bien joué. Ah, j'en ai plané comme ça. Et lui, il a une mort, pour le coup, qu'on pourrait qualifier d'héroïque d'une certaine manière. Mmh. Contrairement à tous les autres qui, bah, à part celui qui se prend une balle dans la tête, de toute façon, il n'y a pas tellement plus de morts au fort Bastiani. Quoi. C'est ça qui est un peu triste. Ah ouais, enfin, c'est surtout que tout le monde se barre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a, il y a, comment dire, il n'y a pas de. Il n'y a rien pour te faire rester, finalement. Parce que même cette mort héroïque, à moins d'aller la chercher dans des montagnes lointaines quand tu vas baliser le terrain, c'est un peu... Ouais, c'est clair. Mais après, Dino Buzzati aussi, pour rebondir à ce que vous avez dit tous les deux, et c'est en ça, je pense qu'il est souvent comparé à Kafka, sa cam, c'est l'absurde, de toute façon, parce que vous n'avez pas lu le... Enfin, je sais pas, toi, Cook, si tu l'as lu, le cas, non ? Au collège, il y a très longtemps. Ouais, voilà, c'est ça. Mais le cas, c'est que ça. C'est que des nouvelles complètement what the fuck, quoi. Donc, je pense que c'est quand même une trame récurrente chez lui. Et c'est pour ça aussi qu'on la retrouve d'une manière, alors peut-être moins appuyée et moins évidente dans Le Désert des Tartares, mais ça reste quand même un peu sa marque de fabrique, quoi. Donc, ça explique que parfois, il y a des événements où tu te dis, mais c'est complètement absurde ce qui se passe, je pense. Hein. Après, par exemple, sur le soldat qui se fait tirer dessus par son propre camp. Oui. Même si on trouve la scène absurde, elle n'est pas dénuée de réalité, en fait. Ça pourrait très bien arriver quand tu es dans un carcan aussi fermé que l'armée ou même d'autres, hein, avec ton supérieur qui t'ordonne de faire quelque chose ou pas, et que tu sais que si tu désobéis, des conséquences peuvent être graves pour toi. Tu peux aussi commettre l'irréparable, ou même ta vision des choses, ta perspective, elle peut être... modifié par les ordres ou par tout ton entourage, en fait. C'est pas...
je trouve que là, pour le coup, on n'est pas dans l'absurde, même si sa mort est absurde en elle-même, mais c'est ça qui est assez fort aussi, c'est que certes, on assiste à des événements où on se dirait, bah, vu de l'extérieur, c'est pas très logique, mais moi, je sais très bien que si j'étais dans ce genre d'environnement, je suis pas sûr que je serais capable de sortir d'une espèce de marasme global qu'il y a, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et d'où l'intérêt d'avoir pris un groupe de personnages comme l'armée qui est... Enfin, dans les représentations et on parlait de symbolique tout à l'heure, on est dans ce truc hyper balisé où tu fais ce qu'on te dit et point barre, quoi. Il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas de place à la réflexion. Ouais, juste t'appliques les ordres un peu bête et méchant, quoi. En sachant que tu connais pas toujours l'objectif de ce que tu fais, quoi. C'est... Oui, exactement. Mm-hmm. C'est ça. C'est clair. Donc ouais, voilà. Après, il y a cette... Tu parlais de boucle, en fait, tout à l'heure, Cook. Et ça aussi, ouais, de c'est cycle, pareil. Hein. Surtout de cycle. Après, de oui. Mais je préfère le terme cycle, là, pour le coup. De cycle. Ouais, bah voilà, justement, aussi, un truc qui m'avait fait sourire, c'est justement à l'arrivée de Drogo au fort. C'est-à-dire qu'il est sur son cheval, il avance, il cherche le chemin, et au loin, en fait, à un moment, il croise un peu plus haut. Il y a un supérieur qui se trouve sur un cheval, il l'a le pag et tout. Bon, bah voilà, ça se passe comme ça. Et même longtemps après, on a ce retour de situation avec lui à la place du supérieur, avec un nouveau qui arrive. Et là, ça, c'est vrai que ça illustre parfaitement cette boucle qui vit, quoi. Et puis, on n'a pas parlé aussi trop des retours qu'il fait dans la ville. Dans la ville, oui. Donc, avec ce retour un petit peu à la réalité, c'est vrai que c'est. Moi j'ai trouvé que c'était des passages super tristes, hein, parce que du coup on sent bien qu'avec la vie qui lui pèse au fort, quand il revient en ville, il est complètement déboussolé. Et je crois que c'est toi, Sego, qui disais tout à l'heure dans le résumé qu'à chaque fois qu'il y passait dans cette ville, il y revenait beaucoup plus tôt au fort que ce qui lui autorisait de rester. Et on voit que toutes ses relations ont changé, même avec sa future, enfin avec sa mère, personne qui est fait, avec sa mère aussi, avec sa future femme. Et ben oui. Tout est parti en couille parce que du coup, cette vie qui mène au fort a plus rien à voir avec celle qu'il est en train de vivre. Et on a vraiment l'impression que justement, on parlait de symbolique, moi j'avais vraiment l'impression que au départ, quand il part, enfin, la ville symbolise plutôt sa jeunesse, en fait, avec tout ce qu'il avait avec. C'est-à-dire qu'il avait sa vie, il avait l'amour, il avait sa maman, il avait ses amis et tout. Il quitte ça, la fleur au fusil, en pensant que ça va bien se passer, et là, boum, il arrive au fort où il a affaire à sa vie d'adulte, en fait, parce que c'est son boulot d'être militaire, il est comme ça, il est engagé, et là, il a toute la monotonie de cette vie, tout le poids, en fait, de ça à porter, des responsabilités, parce que du coup, ils ont la responsabilité de défendre un territoire contre des ennemis, tout ça, donc on a les responsabilités symboliquement de la vie d'adulte. Et à chaque fois qu'il essaye de revenir à ce village, ben non, ça passe pas. Avec avec sa femme, ils mettent un terme à leur relation. Sa mère, c'est pareil. Je crois qu'il a même des frères qui, eux, ont fait leur vie, qui ont réussi. Ses amis, c'est pareil. Je crois qu'il en croise un, ça se passe pas super bien. Et donc, bah, du coup, lui, il a pas d'autre choix que de revenir à cette vie d'adulte, en fait, et à cette vie monotone et difficile et dure. Et puis, voilà, moi, je pense que c'est les moments qui, quand il revient la première fois à sa maison, ça m'a un peu serré le cœur quand même, parce que je me suis mis à sa place en me disant, bon, bah, c'est vrai que quand, je sais pas pour vous, mais moi, voilà, mon père habite toujours la maison où j'ai grandi, et des fois, c'est vrai que quand j'y retourne, que je suis un petit peu nostalgique, on en revient à cette notion que tu disais, Cook, tout à l'heure, et ben, ça me serre un peu le cœur en me disant, c'est vrai qu'on a vécu des bons moments, tout ça, machin, mais c'est y a plus de retour en arrière possible maintenant, je suis adulte et je retrouverai jamais cette insouciance que j'avais quand j'étais petit. Et je me suis mis tout à fait à la place du perso, parce que c'est extrêmement compliqué, et on sent que lui, il est à milieu de tout ça, maintenant il y retourne, et limite c'est normal pour lui, quoi. Bah, ça va avec l'inéluctabilité des choses, t'as réussi à le dire sans bafouiller. Putain, ouais, bien joué, hein. Pas mal, hein. Ouais, je suis impressionné. Puisque dans la conversation avec donc la femme qui aurait pu devenir son épouse, on a le dialogue et on a les pensées du personnage qui, ou du moins le narrateur, parce que c'est un narrateur troisième personne si je dis pas de bêtises, ouais. Il donne les pensées de Drogo. Il aurait pu dire ça pour arranger les choses, ou il aurait pu dire ça pour que leur relation reparte, etc. Et à chaque fois, il fait pas le choix, en fait. Il fait pas le choix de le dire, alors que lui-même sait qu'il pourrait le faire.
Ouais. Ouais, il est déjà plus ou moins endoctriné en fait par sa vie d'adulte, comme tu disais. La peur d'un changement trop fort d'un coup, qui aurait pu le faire rester en ville, par exemple, il serait pas retourné au fort. Je sais pas comment ils traitent les déserteurs, mais. pourquoi pas, tu vois, s'enfuir ou même des choses moins extrêmes, hein, mais c'était une possibilité aussi. Et il nous montre que la possibilité était à portée de main. Ouais. Et y a ce truc, bah là ça rejoint aussi un petit peu du coup Céline encore une fois, c'est pour ça que ça m'y fait penser. Et il y a aussi un autre élément qui me renvoie à ça, c'est le symbole du désert. Ouais. Qui pourrait être la représentation de la mort que tu vois en face, en fait. T'as la mort devant les yeux constamment. Et t'as beau la voir, tu bouges pas, tu fais rien en tout cas pour arranger les. Je sais pas moi, l'espace autour de toi pour que même en la voyant, ce soit plus agréable. Tu vois, qu'il y a quelques petites plantes, des petits animaux de compagnie, et hop, tout de suite, ça devient un peu plus sympa au fort, quoi. Exactement, c'est ça. Alors, c'est soit ça, soit une représentation de l'ennui, parce qu'on peut imaginer aussi un désert vraiment dénué de toute vie, etc. Alors qu'on sait très bien qu'un désert, c'est pas aussi mort que ce qu'on veut nous faire penser. Et il y a peut-être aussi un côté, j'y pense en échangeant avec vous là et en écoutant ce que vous dites. Peut-être un côté aussi métaphorique justement entre l'adolescence et le passage à l'âge adulte en fait, comme tu disais Ethno, dans le sens où parfois tu sais quand t'es ado t'as des perceptions qui sont données et puis tu grandis un petit peu et puis tu vas revenir à un truc ou te rappeler de quelque chose que tu faisais et tu disais mais en fait c'était nul ou c'était pas terrible ou j'ai aucune envie de revenir à cette partie là et tu peux peut-être, ou les gens que tu fréquentais par exemple où tu les revois et tu te dis mais qu'est-ce que je foutais avec des gens pareils et il y a peut-être un peu ce côté où en fait finalement lui il va à la ville et la ville ça lui rappelle bah, cette adolescence qu'il a laissée un peu derrière lui, enfin adolescence c'est un grand mot puisqu'il est pas non plus ado quand il arrive au fort, mais se dire voilà mais en fait je suis complètement décalé par rapport à ces choses là, c'est plus ce dont j'ai envie aujourd'hui, alors qu'en partant il était encore plein d'entrain. Et moi je vois ça un peu comme ça en fait, c'est de laisser derrière toi ton enfance, ton adolescence et te dire je plonge dans le monde adulte, mais plus avec un rejet qu'avec une nostalgie. Bah de toute façon, on le sent pas super serein quand il revient. Enfin, moi en tout cas, je l'ai pas senti super serein quand il revient en ville. Il est plus à sa place en fait. Donc ça se tient ce que tu dis parce qu'il est pas. Non, pour lui, on a l'impression que c'est passé et que de toute façon, quoi qu'il fasse, il pourra pas retrouver tout ce qu'il a perdu, quoi. Ouais, le train est parti, quoi. Tu sais, lui, il est là et limite, il a l'air. Tu sais, t'as l'impression que ça le rassure de revenir au fort. Plus vite et plus tôt que ce qui est prévu, quoi. Mais parce que ça devient une fois, en fait l'endroit où. On en revient à ce que Cook disait, mais et ce que tu dis toi aussi, c'est que des fois c'est beaucoup plus compliqué de faire un pas pour essayer de changer les choses que de rester dans la situation où on est. Et en fait, et c'est peut-être là où ce qu'il disait Cook avec le dialogue avec son ancienne petite copine, en fait, où il aurait pu changer les choses, mais je pense que ça aurait pu. Ça aurait été compliqué en fait de changer la situation parce qu'il était quand même engagé militaire. Effectivement, il y aurait eu des conséquences s'il l'avait fait et ça aurait pas été aussi facile que ça. Donc lui, il a préféré peut-être rien dire et rester dans cette situation et retourner à sa vie monotone. Mais oui, en effet, c'est toujours plus facile de rien faire que de faire quelque chose pour faire changer les choses. Ça c'est indéniable. Ça. Je pense pas que. Ils auraient pu aussi créer une nouvelle relation et elle aurait pu attendre la fin de son service militaire, etc. Parce qu'il n'y a pas tellement de contraintes. Est-ce que lui revienne en ville? Ça lui est proposé plusieurs fois, ou en tout cas, il s'imagine que ça lui est proposé plusieurs fois. Ou d'être muté ailleurs. On n'a pas l'impression non plus qu'il y a une espèce de force supérieure qui l'oblige à rester. On a vraiment l'impression que c'est à la fois lui qui a envie. Mais qu'il n'arrive pas à se le formuler ou qu'il n'arrive pas à trouver une manière d'en partir correctement, mais j'ai pas le sentiment qu'il soit obligé d'y rester. Au fort. C'est ça qui est un peu paradoxal. Mais non, moi je suis sûr qu'il n'est pas obligé du tout et que c'est lui qui se convainc parce que ça le rassure de rester. Ça, pour moi, c'est évident dans l'histoire. Ouais. Il fait que de repousser le moment où à chaque fois il a une excuse pour dire ah bah non bon bah attends j'attends encore un peu parce que je sais pas quoi. Donc je pense qu'en fait il se complète complètement dans ce truc là. Ouais et c'est devenu le petit cocon un peu rassurant et comme dit Eto le côté bah t'es dans ton confort et t'as pas envie de te faire violence et d'en sortir parce que la ville ça a l'air de le terroriser plus qu'autre chose. Bon j'abuse un peu terroriser mais...
Et ce qui est marrant mais pourtant, c'est qu'il revient y mourir. Ouais, c'est la boucle qui est bouclée. C'est ça. Donc, ouais. L'histoire de cycle qui se termine et que du coup. Donc en fait, il a vraiment pas eu la mort qu'il voulait, Bichette. Hein. Non, oh, lui il voulait mourir héroïquement. Mais c'est ça. Mais c'est là où ça appuie et que ça fait mal. Il a deux doigts du combat de sa vie, pas du tout. Et puis ça lui va crever tout seul, quoi. Exactement. Tu parlais de la ville, ça le terrifie. Moi, je me demande si c'est pas s'il s'ennuie en ville. Tu vois. Ouais, ah, mais oui, non, il s'ennuie, il a peur, il doit. Tu vois. Ouais. Mais parce que dès le début, en fait. Quand il arrive et que le gars lui dit bah si tu veux tu peux partir tout de suite, il se dit bon non peut-être pas. Après l'autre a un bon argument en lui disant je sais plus ce qu'il lui dit exactement mais ça sera plus cohérent si c'est dans 4 mois au niveau certificat médical ou je sais pas quoi. Les années comptent plus quand t'es au fort. Ouais. Que quand t'es stationné ailleurs. Ouais. À la vitesse où tu vieillis. Carrément ouais. T'es en un an t'en as gagné 10, c'est dur quand même. Hein. C'est ça, ouais. Ouais, et puis il a toujours ce truc de se dire non, mais je vais attendre quand même la prochaine fois pour être sûr. Et puis finalement, la prochaine fois, il n'y a jamais de prochaine fois. Il repousse, fois, ouais, il c'est en ça. A, il repousse, et en fait, il est content là où il est. Enfin, content, je sais pas si le terme est bon, mais en tout cas, il n'est pas désespéré au point d'avoir envie de se barrer tout de suite. J'allais dire, on fait tous ça, mais ouais, je crois, non, je suis tout seul, parce que c'est vrai, quand il y a un truc qui me branche pas de le faire, perso j'essaye de repousser à chaque fois que je peux et jusqu'au moment où je dois vraiment le faire, mais punaise, des fois c'est compliqué. Ah bah t'as deux moi, écoles du coup, hein. Le bouquin il m'a pas parlé pareil que toi, parce que moi pour le coup c'est tout l'inverse, c'est à dire que j'ai tellement peur de m'ennuyer que du coup je fais un milliard de trucs. Alors c'est peut-être pas mieux hein, parce que du coup je me disperse sur plein de sujets, mais moi c'est tout le côté inverse où je me dis je veux surtout pas que cette situation là m'arrive, et ça me déprime, et ça m'a déprimé en lisant le livre hein. Je me disais mais vraiment, quelle angoisse, quoi. Genre, t'es là, tu subis ta vie. Et du coup, moi, ça a été l'effet inverse de me dire, ouais, bah, je fais bien, en fait, de m'occuper dans ma vie, parce que sinon, je vais finir comme lui et je vais être en dépression et c'est horrible. Donc, franchement, vraiment, l'ennui mortel, quoi. Après, il faut que les trucs que tu fasses soient positifs aussi, tu vois. C'est... Oui, non, parce que si tu fais plein de trucs, mais que ça empire les choses. Dans le sens où j'ai un tempérament où je vais pas attendre que les choses se passent. Voilà, moi je suis pas du tout comme lui. Je vais être proactive pour que les choses, si je suis dans une situation qui pour moi est inconfortable, je vais me donner les moyens quoi qu'il arrive pour en sortir et que ça bouge. Et c'est pour ça que ce livre, moi ça m'a fait écho avec plein de gens que je connais qui se complaisent dans des trucs qui leur conviennent pas du tout. Et t'as beau leur dire ce que tu veux en leur disant mais vas-y, change, essaye de faire ci, essaye de faire ça, motive-toi, etc. Bah, finalement, ils sont comme lui et ils se disent bah, je suis bien dans mon petit. Au moins, je suis dans quelque chose que je connais, positif ou pas, au moins, j'ai pas besoin de prendre de risques. C'est rassurant. C'est pas suffisamment horrible pour que j'ai besoin d'absolument de changer. Et finalement, tu peux faire une vie entière comme ça. Et je trouve que c'est bien, bien retranscrit dans le bouquin, justement. Après, ce qui est terrible, c'est si tu te plais dans cette routine-là. Parce que du coup, t'as aucune raison d'en partir, quoi. Mais bon, si. Mais à la limite, tant mieux, parce qu'au moins, t'es pas malheureux, tu vois. Parce que oui, ceux oui, qui, c'est se, ça. Qui ont conscience que c'est horrible et qui y restent, c'est les pires. C'est, pour moi, c'est un concept. Parce que j'ai l'impression que Drogo, il est quand même dans ce cas où, effectivement, nous, de l'extérieur, ça a pas l'air fou, hein, mais lui, il a pas l'air non plus de trouver ça horrible. Oui, c'est ça qui est un peu déstabilisant, c'est qu'on est. Et qui donne cette ambiance assez mélancolique, c'est que. On a vraiment l'impression que ça a l'air chiant, mais lui il a pas l'air de trouver ça si chiant. Donc il y a un côté un peu détaché de ce qu'il vit. Là, je suis d'accord. Bon, après il est un peu malchanceux quand même. Ouais, moi je me serais barré, genre première minute, c'est bon, au revoir. Carrément, ouais. Non, moi je serais parti après les 4 mois. Allez, salut, c'était cool. Avant merci, les 4 mois, kiffé, moi, dès qu'il m'a dit il faut passer à la visite, c'est bon, t'es malade, je suis malade, si vous voulez, je tousse exprès, mais il n'y a pas aucun problème. Non mais au moins 4 mois pour voir, tu vois, genre comment ça se passe. Peut-être tu peux voir faire des trucs intéressants. À 4 mois là-bas, ça doit être long quand même. Ah hein. Ouais, dans un vieux fort avec, je sais pas, 1000 gars que je connais pas, avec un gars en face. Quand on arrive à penser que de la flotte que t'entends, c'est tes potes qui chantent. Ouais, putain, ouais. Non, c'est mort. Faut se barrer, là. Ou alors c'est toi, tu te mets à chanter, tu vois, pour saouler tout le monde. Comme ça, tu deviens le troublion du fort, et là, il laisse des trucs, tu t'ennuies moins. Tu... ouais, en fait, oui, le cheval, c'est moi danger, qui l'ai libéré. Tu beaucoup moins, ouais. Ça, c'est sûr. non, mais. Ouais, j'avoue. C'est, et d'ailleurs, il paraît que pour en revenir sur la version
cinéma, il paraît qu'il est vraiment très 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 bonne adaptation. Hein. Mmh. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Mais du coup, moi, je pense que je vais le regarder, le film. Et ben moi aussi, tu vois. Je pense que ça va pas traîner. On doit être assez. Mais moi, je voulais le voir avant de faire la chronique, mais j'ai oublié. C'est raté. C'est. J'ai été pris dans la routine et voilà, j'ai pas fait le pas pour aller voir le film. L'ennui. Donc, pour conclure, je pense qu'il nous a. Alors, il y a déjà deux des trois membres à qui ça a bien plu. Un peu plus mitigé, mais c'était pas l'horreur non plus. Ouais, donc, non, faut il a pas dit que ça lui avait pas plu. Il a juste dit que ça sera pas le livre du siècle. Voilà, pour ouais. Mais t'as dit ça, que t'avais apprécié. Oui, oui, c'est vrai, il faut modérer les propos. C'est vrai. As-tu... Après, enfin, c'est, très bien c'est pour ça que je passe toujours pour le mec, c'est chiant et tout, mais c'est parce qu'à chaque fois, Eto, il reprend mes paroles, il les modifie. Il a dit que c'était pourri, c'est pas grave, hein. Assume, hein. Mais non, c'est parce vrai. Que toi, Ethno, t'as dit c'est mon livre de chevet, c'est génial, ça m'a transcendé. Donc, forcément, coup, contrepartie à équilibrer côté, en ouais, disant ouais. J'ai bien aimé, mais ça sera pas mon livre de chevet, quoi. Ouais, je le trouvais pas sans jouer, donc du coup, faut bien que. Hein. Ça existe non, en tout cas, c'est un conseil. Je suis toujours en joué, moi. Faut juste prendre le niveau de départ et après, tu vois. C'est vrai. En plus, il est toujours motivé. Ça, c'est un truc. Il faut le dire. Mais bon, ça va. Ça fait deux ans maintenant. Commence à nous connaître. Enfin, à te connaître aussi. Donc, c'est vrai. Donc, en gros, ça fait un bon conseil de lecture, quoi. Oui. Ouais. Alors, puis ça va bien avec l'été en plus. Ouais, exactement. Déjà, ouais, ça c'est vrai. Alors après, voilà, comme on le rappelle, hein, c'est pas non plus de la littérature de l'imaginaire à proprement parler. Ça en fait partie, ça rentre plus de la poésie dedans. En vrai. Mais ouais, voilà. Mais il faut le lire, c'est important. Je pense que c'est un bon bouquin. En plus, c'est très rapide, hein, ça se lit vite. Mm. Et ouais, ça fait partie de ces classiques, je pense, qui peuvent. Puis ça fait aussi, ça peut provoquer des prises de conscience aussi, c'est bien. Hein. Disons que ça, c'est un livre pour ma part qui m'a donné des voilà des pas des sensations, mais des comment dire des petits des réactions. Ouais, voilà des réactions, des sentiments en fait. Ça m'a touché perso. Et je pense qu'on en. Enfin, ça va vraiment. Soit on se fait chier, soit on adore, soit vraiment c'est le pire bouquin du monde en fait. Hein, parce que là, c'est vrai que. Non, je pense qu'il laisse pas indifférent. Voilà, exactement, c'est ça. Indifférent. C'est soit tu trouves ça génial, je pense, et ça te transcende. Mais je pense que dans tous les cas, ça fait réagir. C'est pas un truc où tu le lis à la fin, tu dis ouais, bof. Genre, c'est. Il y a des livres comme ça où tu t'en tires quelque chose. T'as dit quoi, Cook ? T'en tires quelque chose, quoi qu'il arrive. Oui, ouais. Voilà, c'est ça. T'auras forcément un ressenti, soit comme toi, Ethno, ça va te faire réagir en mode « Mais merde, attends, j'ai l'impression de me reconnaître. » Soit moi, où je me dis « Bah, c'est tout l'inverse de moi, justement. » Non, j'ai pas dit que je m'y reconnaissais. Hein, j'ai pas une vie de merde comme Bravo, moi. Oui. J'ai dit qu'à mon vieil âge, ça pouvait être un coup de pied au cul. Ça te parle plus que peut-être qu'à moi, qui est genre... Oui, voilà, qui est presque 10 ans de moins que toi, désolé de lui dire. Non, mais allez-y, non, mais il a l'habitude. Coup, j'ai une remarque. Je lui rappelle suffisamment souvent pour que ce soit pas un problème. Mais Cook, je sais même pas quel âge t'as en fait. Donc je dis 10 ans de moins. Que Ethno ? Ouais, je sais plus. Ouais. Ça se compte plus. T'es à cette année de toute façon. Ça se compte plus, non. Moi, je suis de 92. Mais non. Si, moi, je suis de 83. Ah bah voilà, tu vois. Je suis choqué. Mais t'es un petit. Ah ouais, je suis tout jeune, moi. C'est la barbe. Laisse tomber, c'est la barbe. Faut pacifier. Ouais, bah, je suis choqué. T'as l'âge de ma petite sœur. Ah bon. D'accord. Ah ouais, je sais pas ce que ça veut dire, mais. Ah ouais, non. Ça veut dire que je pensais que t'étais 1000 fois plus vieux. Désolé. Hein. Non. J'ai l'air vieux, c'est ça. Bah, je sais pas si t'as l'air vieux. Mais en tout cas, non, je pensais que t'étais plus proche de l'âge d'Ethno, du coup. Ah oui. Non, jamais de la vie. Pas aussi vieux, mon dieu, s'il vous plaît. Je m'arrête à cet âge-là. Voilà. Ah, donc tu vois, ouais, c'est vrai que quand on s'est rencontré, Cookie, ça fait 10 ans d'amitié. Tu vois, il avait 3 ans hein, quand je l'ai rencontré. Ça commence à faire tout pile, il c'était était mon pas anniversaire. Né. Voilà, c'est ça. Ah, c'est énorme. Trop drôle. Donc voilà, vous savez tout maintenant. Bon, on l'a déjà dit, ça, je crois. Maintenant, à vous de deviner quel âge à qui. Ah oui, c'est ça, ouais. Ça se trouve, genre les 60. Ah oui, bah non, toi, 70, du coup, oui, ça. Non, 92, tu l'as dit. Ah oui, ça y est. Mais on sait pas de quel siècle. Ça peut être 1892.
Oui. Ben, v'là la gueule du vampire. Hein. C'est clair. C'est clair. Bon, quelque chose à rajouter, sinon. Lisez ouais, le voilà. Désert des Tartares. Voilà. Faites-vous votre propre avis, parce que je pense que c'est propre à vraiment à chacun. À mon avis, tout le monde n'a pas la même perception. J'ai un argument d'autorité. Ouais. C'est un meilleur roman avec un personnage qui s'appelle Drogo que l'autre qui est plus connu aujourd'hui. On va se faire des potes encore. Hein. J'ai pas donné le titre. Je l'ai pas dit. Non, tu l'as pas dit. Mais bon, c'est vrai. Enfin bon, quoi qu'il en soit, on reviendra sans doute aussi sur le menu sur l'auteur avec un autre, avec un recueil de nouvelles, hein, son recueil de nouvelles d'ailleurs. Donc voilà. En attendant, bon, je crois que on a à peu près tout dit. Si vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est influx RSS, Facebook aussi, Twitter, pas mal, beaucoup moins Instagram. Les vieilles personnes comme moi, ça maîtrise pas trop, c'est un peu compliqué. Vous pouvez retrouver Sego sur Ohio Podcast. Un podcast. Bah vas-y, je te laisse en parler. Parce que tu as un autre projet aussi qui est arrivé aussi, ça serait important oui, que t'en parles. Oui, j'ai trop de projets en même temps. Non, Ohio, ça parle de manga, du coup, c'est mon podcast manga. Et puis après, j'ai un podcast professionnel, mais ça, c'est peut-être moins intéressant. Mais si vous vous intéressez aux ressources humaines dans son sens très large, et bah écoutez, je vous invite également à écouter ce podcast-là, qui est tout nouveau, tout beau. Et voilà. Mais sinon, c'est principalement Ohio sur le sujet manga qui sort un vendredi sur deux. Pareil sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà. Voilà. Bon, bah, on se retrouve dans deux semaines sur ça avec une chronocritique, pardon, pour terminer la saison. J'en dis pas plus. Il me semble que, de toute façon, j'en ai parlé vraiment vite fait sur Twitter. D'ici là, hydratez-vous. Lisez bien, lisez beaucoup. Et à bientôt. Salut. À bientôt. Salut.